Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 14 décembre. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Jean de la Croix. Et je te rappelle vraiment de bien te préparer pour ta confession. Si, au cas où tu n'as pas encore préparé, si tu n'as pas fait encore ta confession, prépare-toi bien par un bon examen de conscience. Et n'oublie pas ta vie de prière et aussi ton chemin de conversion. Quels sont les points de conversion que tu veux encore travailler pour bien te préparer pour Noël. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 40, 45, partie du verset 6. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui a fait tout cela. Cieux, épanchez-vous là-haut. Et que les nuées déversent la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut, qu'elle fasse germer en même temps la justice. C'est moi, le Seigneur, qui ai créé cela. Et après, encore le verset 18. C'est ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui est Dieu, qui a modelé la terre et l'a faite. C'est lui qui l'a fondée. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a modelée pour être habitée. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Qui avait proclamé cela dans le passé? Qui l'avait annoncé jadis? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur. Il n'y en a pas, excepté moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. Ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Oui, devant moi, tout genou fléchira. Par moi, jugera toute langue, en disant, dans le Seigneur seul sont la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. C'est dans le Seigneur qu'elle obtiendra le triomphe et la gloire, toute la race d'Israël. Mais nous voyons ici cette phrase que le Seigneur répète plusieurs fois. Il n'y a pas de Dieu que chez toi. Pardon. C'est moi le Seigneur qui a créé tout cela. Mais après, le Seigneur dit, c'est moi le Dieu, je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre. Le Seigneur répète à nouveau, n'est-ce pas moi le Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre, est-ce qu'il y a d'autres dieux qui sont entrés en nous? Est-ce que nous sommes en train de suivre d'autres dieux? Que pas que l'unique et seul vrai Dieu. Le Seigneur ici nous fait penser, mais que le Seigneur qui a tout créé, le Seigneur Tout-Puissant qui veut habiter la terre, qui veut habiter aussi cette terre qui semble chacun de nous. Le Seigneur ne veut pas laisser cette terre vide. Elle doit être remplie de la présence de Dieu. Notre âme doit être remplie de la présence de Dieu. Mais nous devons faire attention. Est-ce qu'il y a d'autres dieux que je suis en train de suivre? Et le Seigneur, c'est pour ça, c'est que seulement Dieu, l'unique que nous aimons, adorons, que nous écoutons et que nous suivons. Alors, il dit, oui, devant moi, tout genou fléchira. Par moi, jugera toute langue. Ça veut dire qu'avoir cette attitude d'adoration, mais aussi de proclamation de la foi. Et nous, on doit toujours veiller parce que souvent, il y a d'autres petits, des faux dieux qui veulent entrer et qui veulent petit à petit éloigner le Seigneur, le mettre de côté dans notre vie. Ok? Faire attention. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont sont en train d'entrer qui ne sont pas l'unique et vrai Dieu? On doit faire attention. S'il y a des choses comme pareil, il faut les chasser, il faut renoncer, il faut proclamer ta foi, il faut se mettre à genoux et de dire vraiment tout ton amour et toute ta confiance dans le Seigneur. Qui n'a pas laissé cette terre vide, qui veut vraiment la remplir de sa gloire, de sa parole,
de son amour, de sa force, de sa sainteté, de sa sagesse. Ok? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85, à partir du verset 9. Écoute, que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Pour vous, qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Le Seigneur veut vraiment habiter notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur se penche vers nous. Les cieux sont proches de nous. Et il veut, et Dieu veut mettre en nous amour et vérité, justice et paix. Amour et vérité, justice et paix. On doit vérifier. Elles sont là. Si elles ne sont pas là, ça veut dire qu'il y a d'autres dieux qui sont en train d'entrer. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui et de ses pas tracera un chemin. Si cette terre est remplie de la gloire du Seigneur, si cette terre est remplie du Seigneur, ça veut dire que cette terre produira aussi son fruit. Il a le fruit que montre si Dieu il est là ou pas. On doit vérifier quels sont les fruits que tu produis aujourd'hui, ou que tu es en train de produire. Ce sont des fruits qui montrent que Dieu habite cette terre ou qui montrent que Dieu n'est pas dans cette terre. Il a d'autres dieux et c'est pour cela que les fruits ne sont pas bons. Alors l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 7, à partir du verset 19 jusqu'au 23. Jean les envoya dire au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de lui, ces hommes dirent, « Jean le Baptiste nous envoie te dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, il guérit beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis, il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Alors, Jésus ne va pas répondre avec des paroles que vont convaincre les disciples de Jean le Baptiste à croire en lui, que lui, elle est le Messie. Mais Jésus va dire, voyez les signes, parce que ce sont les signes du Messie qui allait venir, c'était ça. Et il guérit beaucoup de gens, affligés de maladies, infirmités, d'esprits mauvais, rendu la vue aux aveugles. Voilà l'action du Messie, qui s'est fait voir. Ils peuvent voir. Mais c'est vrai que Jean, à un moment, il doute. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et le Seigneur, peut-être aujourd'hui, veut visiter en ce que tu as comme doute. Quels sont tes doutes? Ou pourquoi doutes-tu du Seigneur? Pourquoi tu ne crois pas au Seigneur? Et Jean, il a eu un trouble. Il ne savait pas très bien. Mais Jésus ne va pas faire des reproches contre Jean. Mais pourquoi tu ne crois pas? Mais Jésus envoie au messager que Jean avait envoyé les signes. Allez dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Ils vont apporter cela à Jean et Jean va comprendre vraiment que Jésus, c'est le Messie, le Sauveur, qui devait venir. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de la Croix. Jean de la Croix, 1642, religieux carme espagnol, rencontra à 25 ans Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel. Il voulut adopter lui aussi l'observance primitive, mais ses supérieurs s'y opposèrent violemment. La persécution ne fit qu'aider à son union avec Dieu sur le sommet de la vie mystique, dont ses écrits ont gardé la brûlure.
Maintenant, descend Jean de la croix. Dans le Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Mais l'âme ne peut y pénétrer ni les atteindre si, comme nous l'avons dit, elle ne passe pas d'abord et n'entre pas dans la profondeur des souffrances extérieures et intérieures. Il faut de plus qu'elle ait reçu de Dieu une foule de faveurs intellectuelles et sensibles, et qu'elle se soit exercée longtemps dans la spiritualité. Or, si l'on finissait enfin par comprendre qu'il est impossible de parvenir à la profondeur de la sagesse et des richesses de Dieu sans pénétrer dans la profondeur de la souffrance de mille manières, l'âme y mettant sa joie et ses désirs afin de comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur. L'âme qui désire vraiment la sagesse désire aussi vraiment entrer plus avant dans les profondeurs de la croix, qui est le chemin de la vie, mais peu y entre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.